La machine semblait fonctionnelle. Carl lança un SOS. Sans réponse. Thank you.
Sésame, ouvre-toi. La précieuse, enfin. Tant d'efforts pour un bout de métal. Karl n'avait pas tiré tout ce qu'il pouvait de ce métier. Mécanicien. Fêlé, gelé et ferraille parée, Karl était prêt à lever les pieds de l'endroit.
un autre journal. Carl sentait que quelqu'un tentait de communiquer avec lui. À moins que ce ne soit que le fruit du hasard. Un feu, ça s'allume pas en claquant des doigts. Carl se demandait s'il devait endurer encore longtemps le froid qui lui piquait la peau. Carl tenait l'essentiel. Il devait reprendre la route. Carl ne tiendrait pas plus longtemps. Le froid le cuisait. Il fallait qu'il se réchauffe. La place avait été habitée moins de 24 heures plus tôt. De son œil de détective, Carl pouvait même dire qu'ils étaient deux. Deux bons gaillards, à l'odeur forte et sauvage de ceux qui ont peur.
Ils étaient deux, pas de doute là-dessus, raisonna Karl. Une couverture pour chaque comparse. La veste était encore mouillée. Le pauvre homme s'était baigné peu de temps auparavant. Et à en croire le relevé de paye, le pauvre homme, c'était le dénommé Alexandre Blais. Il aurait dû avoir un fusil là-dessus. Le propriétaire était peut-être pas très loin. La porte était déverrouillée. Dommage. Karl n'avait même pas à dire « Sésame, ouvre-toi ». Thank you.
Carl se demandait s'il devait endurer encore longtemps le froid qui lui piquait la peau. Le froid devenait douloureux. Carl devait se mettre au chaud. Ils étaient deux, pas de doute là-dessus, raisonna Carl. Une couverture pour chaque comparse.
Les matériaux manquaient pour que s'élèvent les flammes. La place semblait désertée depuis belle lurette. Il suffisait que d'un coup pour mettre le roi échec et mat.
porte avait été défoncée violemment et ça sentait le roussi, parce que la moitié de la cabane avait été bouffée par les flammes. Il y avait une apparence de pagaille, nota Carl. Les meubles assemblés semblaient attendre de servir pour un feu de joie. Pourquoi un tel désordre? Ça sentait pas bon. Carl se demandait s'il devait endurer encore longtemps le froid qui lui piquait la peau.
Un feu, ça s'allume pas en claquant des doigts. Carl continuait malgré ses égratignures. Sa mère serait vraiment fière de lui. Carl se demandait s'il devait endurer encore longtemps le froid qui lui piquait la peau.
autres pauvres victimes de ce mal de glace. Karl sentit un frisson le parcourir. Et s'il était le prochain? Karl se sentit aspiré violemment par le torrent d'une vision. On aurait dit un bête accident de chasse. Et voilà Hamilton. Karl pouvait le reconnaître. Un grave accident de chasse. La jeune femme a été examinée par le docteur. Mais on ne pouvait pas renverser la fatalité. Elle était morte. Ce n'était pas le genre de corps qu'on enterre en grande pompe dans le cimetière du village. Il fallait le cacher aux yeux de tous. Il fallait cacher la faute commise. Rien de tel pour ça que de faire enterrer la pauvre fille par un pauvre d'esprit, le mécanicien Lamotte. Le docteur refusait la mort injuste de la jeune femme. Mais Hamilton le tenait sous sa poigne de fer. Hamilton connaissait tous les secrets de ce poète mélancolique. Et il n'hésiterait pas à les révéler. « Je connais tes crimes, jeune communiste. Tu connais les miens. Quelle histoire sordide !» Comprenait les rouages du drame. On avait tué une femme dans le plus injuste des accidents, et un jeune guerrier se donna pour la venger. Mais Hamilton, le grand meurtrier, avait déjà été tué. Le monstre ne savait plus comment assouvir sa vengeance. Maintenant, pauvre imprudent, Karl avait tiré le carreau du cœur de la bête. Cette bête qui n'était qu'un jeune homme gris, auquel on avait soustrait la fiancée et qui, par haine, devint... Wendigo. Thank you.
Les trois passages le sauvegardaient, mais pour combien de temps?
disparition et celle de la pureté. Je défendrai la pureté contre vents et marées, contre glaces et blizzards. Se pourrait-il que ce ne soit que cela, une histoire de justice et de vengeance? Le docteur mélancolique qui voit dans cette jeune fille assassinée la mort injuste de sa fiancée, qui venge cette jeune fille comme si elle avait été l'élu de son cœur. Ne sont-ce pas précisément ces grands sentiments passionnels qui peuvent faire s'élever une tempête, se glacer les êtres, faire naître des monstres? Un survivant ! On a trouvé un survivant !